Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouveau projet. On va réaliser ensemble ce joli châle au tricot, ce fois-ci, avec un point très très simple, le plus simple qui existe, le point mousse, avec des points picots tout au long de la bordure. Alors, pour réaliser ce projet, j'ai travaillé avec le Happy Color de la marque Lame Yarn. Moi, j'ai utilisé la référence 413. Donc, un cake pèse 225 grammes pour environ 590 mètres de fil. Composition 75% acrylique, 25% laine. Les aiguilles conseillées 4,5 mm. Moi aussi, j'ai travaillé avec des aiguilles circulaires de 4,5 mm. Un cake suffit largement pour réaliser ce joli châle. Moi, j'ai commencé par l'intérieur, donc ça n'a pas vraiment d'importance, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Il me reste encore un peu de fil, hein. Environ 5 grammes. Donc ce fil est disponible dans ma boutique chimicamagiclaine.com en plusieurs coloris. Je pense que on a 18 ou 19 références. Pour réaliser ce joli châle, vous allez voir comme c'est simple. En fait, on va commencer par une pointe. Donc c'est une répétition de 4 rangs. Donc premier rang, on va créer un point picot et une augmentation à 2 mailles de bord. Après, on fait 3 rangs sans augmentation, sans point picot. Donc, on travaille droit en point mousse. Et après, on va répéter. Donc, tous les 4 rangs, on va répéter la même chose. Point picot, augmentation, 3 rangs, on travaille droit. Donc, on va répéter ça jusqu'à arriver à la largeur nécessaire. Mais comme j'ai travaillé avec le cake Happy, en fait, j'ai utilisé une moitié de cake pour la partie des augmentations. Vous voyez, jusqu'ici au centre, j'ai créé la pointe. Vous allez voir ça dans le tuto. Et pour la deuxième partie, donc c'est la partie des diminutions. Donc on va créer point picot, diminution et 3 rangs, on travaille droit. Point picot, diminution, 3 rangs, on travaille droit jusqu'à la fin. La particularité de ce projet, c'est que en fait le châle, il est très très large, donc il fait environ 2,38 m en largeur et en hauteur 48-50 cm. Donc c'est très très facile à porter, très facile à enrouler autour du cou. Et je le trouve très très joli. Je trouve que le point met en valeur les couleurs. Donc ce joli dégradé. Donc pas besoin de faire des points sophistiqués. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup réalisé des châles en point mousse. Ça me rappelle mon enfance, je vous ai déjà raconté, moi c'est comme ça que j'ai appris à tricoter. C'est ma grand-mère qui m'a appris et le premier point c'était le point mousse. D'ailleurs dans le tuto, je vais travailler avec la méthode portugaise et je vais faire le point mousse en fait avec des mailles à l'envers. Donc on peut faire le point mousse avec des mailles à l'endroit. Dans ce cas, je vais tricoter les mailles à l'envers. C'est le point le plus facile quand on travaille avec la méthode portugaise. On avance très très vite. Mais bien sûr, vous pouvez réaliser ce projet avec la méthode que vous connaissez, la méthode que vous préférez. Je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées d'apprendre la méthode portugaise. Je vous laisse le lien.
Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je vous explique comment faire les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit avec la méthode portugaise. Après, pour les points picots, comme je voulais avoir des points picots assez gros, vous voyez, donc on va faire des points picots au début de rang, des points picots à 3 mailles. Donc on va monter 3 mailles, on rabat 3 mailles, après on fait une augmentation à 2 mailles de bord. Je reçois beaucoup de messages concernant cette méthode. Quelqu'un m'a écrit, j'ai essayé avec votre méthode et je n'arrive pas. Déjà, ce n'est pas ma méthode. C'est pas moi qui ai inventé cette méthode. Moi, j'ai appris à tricoter comme ça. À l'époque, je savais même pas que ça s'appelle comme ça, en fait. Et voilà, moi, j'ai appris à tricoter comme ça et c'est plus facile pour moi. Après, moi, j'essaie de tricoter aussi avec la méthode anglaise continentale, juste pour exercer. Mais j'avance plus vite avec la méthode portugaise. Voilà, après, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Donc, on va commencer tout de suite. Pour réaliser l'échantillon, je vais utiliser des aiguilles double pointe de 4 mm. Alors, on prend le fil et on va monter 3 mailles. Donc, une, deux et trois. Là, on va tourner le travail et on va faire un rang de base. Et on va tricoter les mailles, les 3 mailles à l'envers. Une, deux et trois, comme ceci. Là, on va tourner le travail. On va commencer le premier rang. Donc, le premier rang, on va faire un point picot et une augmentation. Alors, pour le premier rang, donc on va augmenter en fait de 3 mailles et on va rabattre 3. Donc, pour former le point picot. Donc, on va piquer l'aiguille dans la première. On sort la boucle qu'on va placer sur l'aiguille de gauche. Une deuxième fois, donc on sort une boucle qu'on va placer sur l'aiguille de gauche. Et une troisième fois. Donc, on sort la boucle et on va la placer sur l'aiguille de gauche. Donc là, vous voyez, on a les 3 mailles de départ plus 3 qu'on vient de créer. Et là, on va tricoter la première. On va tricoter la maille suivante. Et la première, on va la glisser par-dessus. On tricote la maille suivante et à nouveau on prend la première qu'on va glisser par-dessus. On tricote la maille suivante qui est aussi la première du début de rang. Et là, on prend la première maille qu'on va glisser par-dessus. Et là, on vient de créer un point picot, le premier. Et là, on tricote la maille suivante et on va faire une augmentation. En fait, on fait des augmentations à 2 mailles de bord. Donc, on a une et deux. Et là, je vais créer une boucle que je vais placer sur l'aiguille de droite. Et on va tricoter la dernière maille. Pour le rang numéro 2, on va tourner le travail et on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, une,
2. Vous voyez, on a l'augmentation ici. Donc 2, 3 et 4. Pour les rangs 3 et 4, donc on ne fait pas des points picots, pas d'augmentation. On va tricoter les mailles à l'envers exactement comme elles se présentent. Donc 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail et on fait le rang numéro 4. Donc on va tricoter les mailles à l'envers. 3 et 4. Et là pour le rang numéro 5, on fait un point picot et une augmentation. Donc on sort une boucle qu'on va placer sur l'aiguille de gauche. Donc une fois, deuxième fois et une troisième fois. Donc là, vous voyez, on a les 4 mailles de rang précédent plus 3. Et là, on va tricoter la première maille. On tricote la maille suivante et la première, on la glisse par-dessus. On tricote la maille suivante et à nouveau, la première, on la glisse par-dessus. On tricote la maille suivante qui est aussi la première du début de rang. Et la première, on la glisse par-dessus. Et là, on vient de créer un point picot. On tricote la maille suivante et là on fait une augmentation, donc on va créer cette boucle qu'on va placer sur l'aiguille de droite. Et là on continue à travailler les mailles à l'envers jusqu'à la fin de rang. Donc pour le rang numéro 6, on va tourner le travail, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc 2, là on a l'augmentation, donc 3, 4 et 5. On va tourner le travail, on commence le rang numéro 7. Donc pour le rang, pour les rangs 7 et 8, pas de point picot, pas d'augmentation. Donc on va tricoter les mailles à l'envers, donc 2. 3, 4 et 5. On va tourner le travail et le rang numéro 8, la même chose. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le rang numéro 9, donc on va créer un point picot et une augmentation. Donc on pique l'aiguille dans la première maille et on va sortir une boucle qu'on va placer sur l'aiguille de gauche. Deuxième fois, donc on sort la boucle, on va la placer sur l'aiguille de gauche. Et une troisième, on sort la boucle et on va la placer sur l'aiguille de gauche. Et là, donc on tricote la première maille, on tricote la maille suivante et la première, on la glisse par-dessus. On tricote la maille suivante et à nouveau, la première, on la glisse par-dessus. Et une troisième. Donc on tricote et la première, on la glisse par-dessus. On tricote la maille suivante
là, on fait l'augmentation. Donc, on va créer la boucle qu'on va la placer sur l'aiguille de droite et on continue à travailler les mailles à l'envers jusqu'à la fin de rang. Et là, on va tourner le travail. On fait le rang numéro 10, 11 et 12 sans augmentation. On tricote les mailles à l'envers. Donc le rang numéro 11. Et le rang numéro 12. Donc là, on recommence avec le rang numéro 13. On va créer un point picot et on va faire une augmentation. Donc vous avez bien remarqué, c'est très très simple. On fait un rang en point picot et une augmentation et trois rangs sans augmentation, tout simplement. Donc c'est très facile à repérer, même pas besoin de placer un marqueur. Vous voyez, on a cette boucle là entre les deux points picot. Donc, on commence, je vous montre encore une fois. Donc là, on va monter 3 mailles. Donc la première boucle qu'on va placer sur l'aiguille de gauche, une deuxième et une troisième. Là, on va tricoter la première. On tricote la maille suivante et la première, on la glisse par-dessus. On tricote la maille suivante et la première, on la glisse par-dessus. On tricote la maille suivante et la première, on la glisse par-dessus. Donc là, on vient de créer le point picot. On tricote la maille suivante et là on fait l'augmentation, donc on va faire la boucle qu'on va placer sur l'aiguille de droite et on continue à travailler les mailles à l'envers jusqu'à la fin de rang. Et là, le rang numéro 14. On tricote les mailles à l'envers, donc la même chose pour les rangs 15 et 16. Donc là on tourne et on recommence. Donc ça c'est le rang numéro 15. Et le rang numéro 16. Alors j'ai terminé aussi le rang numéro 16. Donc pour le rang numéro 17, vous avez bien compris, on va créer un point picot et on fait une augmentation. Pour les rangs numéro 18, 19 et 20, on travaille droit. En fait, on va travailler de cette manière. Donc on fait des augmentations et des points picot tous les quatre rangs jusqu'à arriver à la taille souhaitée. Donc c'est la première partie.
que je vous ai montré sur l'échantillon. Donc, c'est la partie avec des augmentations. Pour la deuxième partie, donc une fois que vous êtes arrivé à la taille souhaitée, on va passer à la deuxième partie directement sur le châle. Donc, moi, j'ai terminé la première partie. On va commencer la deuxième partie avec les diminutions. Comme je travaille avec un cake en dégradé, en fait, j'ai tout simplement divisé le cake en deux. Il pèse 225 grammes. Donc, le mien, je l'ai posé, il faisait 230. Donc, là, j'arrive à peu près à la moitié de cake. Donc, c'est un signe que je dois commencer la deuxième partie, la partie des diminutions. Donc, pour cela, donc, sur le châle, donc là, on est sur des aiguilles circulaires de 4,5 mm. Donc là, c'est le rond avec la dernière augmentation. Donc là, je sors la boucle, la première, que j'ai placée sur l'aiguille de gauche, la deuxième et la troisième. Donc là, je tricote la première, je tricote la suivante, la première, je la glisse par-dessus, je tricote la suivante, la première, je la glisse par-dessus, je tricote la suivante, et la première, je la glisse par-dessus. Je tricote la maille suivante et là on fait l'augmentation et là on va travailler les mailles à l'envers jusqu'à la fin de rang. Donc, en arrivant à la fin de rang, vous tournez le travail et on fait le retour. Toujours avec des mailles à l'envers et on se retrouve ici. Alors, j'ai fait le retour. Maintenant, pour le prochain rang, on va commencer les diminutions. Normalement, on était censé faire les deux rangs droits. Mais on va faire un rang avec un point picot. Donc, on va avoir deux points picot très proches ici pour former une pointe. Donc on fait la première maille, deuxième et une troisième. Donc là on va tricoter la première, on tricote la suivante et on glisse la première, on tricote la suivante et on glisse la première. On tricote la maille suivante et on glisse la première par-dessus. Donc là, on a fait un point picot et on fait la première diminution. Tout simplement, on va tricoter les deux mailles suivantes ensemble à l'envers. Comme ceci. Et là, on continue. Point mousse jusqu'à la fin de rang. En arrivant à la fin de rang, donc vous tournez le travail et vous recommencez. Donc là, on va faire les trois rangs droits et on se retrouve sur la prochaine diminution.
Donc là, j'arrive à la fin de rang, j'ai répété les quatre. Donc on a fait un rang en point picot et diminution et trois rangs où j'ai travaillé droit. Donc là, du coup, on va recommencer. On va créer un point picot. Donc 2, 3, on tricote la première, on tricote la suivante, on glisse la première, on tricote la suivante, on glisse la première, on tricote la suivante et on glisse la première par-dessus. Et comme ceci. Et là, on fait la diminution. Et là, on va tricoter jusqu'à la fin de rang. Donc, pour la deuxième partie, en fait, c'est ce qu'on va faire. Jusqu'à terminer le projet, jusqu'à avoir 4 mailles sur les aiguilles. Donc on fait un rang en point picot et une diminution. Après on fait 3 rangs, donc sans diminution, sans point picot. Jusqu'à la fin de projet. Donc là, vous voyez la pointe qu'on a formée ici. On a les deux points picots très très proches. Et là, on fait des diminutions. C'est vraiment un plaisir de tricoter ce genre de projet. C'est très méditatif, très simple à faire. Donc on se retrouve plus haut pour voir le résultat. Alors, j'ai bien avancé dans mon projet, donc j'ai fait la deuxième partie avec les diminutions et les points picots, donc j'arrive à la fin. Je me retrouve avec 4 mailles sur l'aiguille, donc on va faire un dernier rang et un dernier point picot. Donc j'ai fait les 3 rangs sans diminution. Et là, donc, on fait une. 2, 3, donc on tricote la première maille, on tricote la maille suivante et on glisse la première par-dessus. On tricote la maille suivante et on glisse la première. On tricote la maille suivante, on glisse la première. Et là, on fait une diminution, donc on tricote les deux mailles ensemble et on tricote aussi la dernière. Donc là, on se retrouve avec 3 mailles sur l'aiguille. Donc pour le dernier rang, on va rabattre les 3 mailles tout simplement. Donc je tricote la première, je tricote la maille suivante, je glisse la première par dessus, je tricote la maille suivante et je glisse la première par-dessus. Et là, on va couper le fil ici. Voilà, comme ceci, et notre châle est bien terminé. Donc, il me reste un peu de fil.
environ 5 grammes. Donc c'est parfait. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'essaie de vous le montrer en entier. En fait, moi, j'ai compté les points picots, donc sur la première partie, la partie des augmentations, j'ai 78 points picots. Donc, normalement, si on fait bien, si on respecte les augmentations et les diminutions, on doit avoir le même nombre de points picots sur la deuxième partie. Voilà, bien sûr, je vais faire des photos. Je vais le laver, je vais le bloquer afin de détendre un peu les points picots. Voilà, c'est un projet en fait défi très très simple qui vous permettra d'exercer le point mousse et pourquoi pas la méthode portugaise. Faire des mailles à l'envers avec cette méthode, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.